bon Dieu, béni en tout pasteur Carl. Monsieur Voile. Mais bon Dieu avec nous. Amen. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, moi saluez-nous dans le nom précieux de Jésus. Amen. 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 Et nous disons bon Dieu merci pour bonté, pour miséricorde. Li. Nous disons bon Dieu merci parce que lui fait cas de nous-mêmes pour jouer nous-mêmes tout, nous capables de parler pour lui. Pour côté le te prend nous, pour côté le mette nous, lui remet nous. Et des fois nous dit Jesus, you love me too much. Parce que pour ça que bon Dieu fait dans la vie nous, nous est bon Dieu remet nous trop. Et nous-mêmes, nous crachons sous l'amour ça. Nous crachons sous lui parce que nous ne pas jamais rendre, bon Dieu, témoignage de l'amour ça que lui-même nous manifeste pour nous. Surtout nous-mêmes dans Light and Peace Christian Ministry. Bon Dieu, remets-nous tout much. Bon Dieu, remets-nous tout much. Nous disons, bon Dieu, merci. Matin, que le capable permettre que nous capables de parler pour lui-même. Et nous connaissons que nous l'amour. Progrès, pas vrai? Nous l'avons progrès. Jeudi, nous l'avons 26e jour. Mois de février, il était seulement 2 jours pour moi fini. Ce qui veut dire que moi progrès a fini. Mais progrès n'a pas fini parce que tout autant à vivre sous terre vivant ça. Et c'est chaque jour, chaque minute, chaque seconde dans la vie, nous devons marcher. Et en avant, nous devons faire progrès. Et surtout, et dans tout sens, mais surtout, progrès spirituel, parce que tout l'autre bagaille n'a quitté au souterrain, mais c'est avec nous nous praler. Donc nous devons faire nous progresser pour nous capables et agréables dans les yeux, bon Dieu. Et référence nous gagnons pour moi progrès, c'est dans 1 Timothée 4, verset 15. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Nous disons bon Dieu merci. Et comme Pasteur Carl déjà prié pour nous, non seulement remettre nous dans mes bon Dieu, que bon Dieu agit. Nous fait la planche la même, mais que lui-même lui agit pour la gloire de son nom et pour édification nom petit Lio. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mon Dieu, ba nou parole li, pas vrai? Pour qui ça que bon Dieu ba nou parole li? Li ba nou parole li pour ka conduire nous. Pour nous capable gagner yon base solide. Parce que nous besoin yon base solide. Dans yon monde qui instable, dans yon monde qui changeant. Donc nous besoin nous-mêmes pour nous camper sur une base solide. Et c'est base solide ça que bon Dieu lui-même, dans bonté, dans fidélité, il fait nos cadeaux, qui c'est parole. Parole, bon Dieu, c'est parole qui inspire lui. Même les hommes qui écrivent, mais c'est parole que bon Dieu inspire, monde qui t'a écrit. Donc, c'est parole inspirée, parole bon Dieu. Ça veut dire, parole inspirée, c'est parole qui sortit en haut. C'est parole qui est fiable. C'est parole qui n'est pas capable de contester. Et parole là, elle est utile tout le monde qui a envie qu'on volonté bon Dieu. Tout le monde qui a envie qu'on volonté bon Dieu, tout le monde qui a envie de vivre selon et volonté bon Dieu, parole là utile nous. C'est ça qui fait nous convaincus que parole, ça, c'est la vérité liée. Et c'est sous lui nous devons bâtir la vie. Nous. Dans la première méditation que nous avons gagnée avec vous, nous avons dit que le progrès est sur 4 piliers, pas vrai? Et nous avons seulement un seul pilier. Son seul pilier, nous avons Eh bien, je dis, nous avons fait une façon, même le temps a fait nos défauts, pour nous guetter les trois piliers avec vous, parce que c'est nécessaire pour qu'on ait, pour capable qu'on comment qu'on prend le marché, pour capable jouer avec progrès. Eh bien, je dis, nous avons parlé, nous avons rentré dans la base, dans la base de la foi, dans la base intégrité et dans la base discipline. C'est trois autres piliers. Nous avons parlé de l'amour, qui
c'est le premier pilier, la foi qui c'est le deuxième pilier, l'intégrité qui c'est le troisième, et la discipline qui c'est le quatrième. Joseph nous parle de la foi, l'intégrité et la discipline. Un véritable chrétien, qui ça doit faire? Un véritable chrétien, il observe la parole, bon Dieu, il apprend, et il approprie la parole là. Ça veut dire qu'il fait parole là, il fait un bien personnel. Li. Et il vit de parole là. Ça veut dire, l'autre dit que il vit de parole là, ça veut dire qu'il pratique. Parce que parole là, c'est une nourriture qui est essentielle pour croissance spirituelle, pour développement. Donc, pour que parole là, qui fait effet dans la vie nous, pour nous capables de progresser, il faut que nous capables de jouer participation, pas nous. Parce que bon Dieu lui-même n'y bat nos participations pas. Bon Dieu déjà mettez pion par la à terre. Pour nous, c'est nous-mêmes qui pour jouer qu'on y a là, pour nous capables et progresser et pour nous capables de porter fruit. Eh bien, nous pas capables de rester passifs. Non, non. Nous pas capable rester quand coube quelqu'un rester comme si ça nous pas fait rien. Nous devons agir et li temps pour nous faire action. Nous devons croire parce que sans la foi parole la pas utile personne. Si nous pas gain la foi, parole la pas utile. Parole la pas utile personne parce que la foi libérer qui ça la foi fait? La foi libère le don de la vie éternelle. La foi bon la vie éternelle. La foi permet chrétien recevoir les bénédictions de Dieu. C'est ça que la foi a fait. Et c'est quoi la foi? La foi c'est un principe de vie que lié. Principe de vie ça qui entrait dans ça qui plus profond dans existence nous, dans objectif nous. Et dans Hébreux 11, verset 1, nous lit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ça veut dire que c'est une tranquille confiance ou gagner dans un bon Dieu qui est réel, dans un bon Dieu qui est tout puissant. Et puis devant, dans Hébreux 11, verset 6, il dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Ça veut dire que seule la foi permet aux croyants pour recevoir le salut qui vient de Dieu. Parce que la foi, c'est un don que bon Dieu accorde à quel que soit monde qui m'en dit là. L'homme mette confiance ou dans bon Dieu qui s'en joigne. Il y a un pile monde qui a dit bon, ou même qui a prié tout le temps, qui a dit qui croit dans bon Dieu, qui s'en joigne. Eh bien, qui t'a dit ou? Ou gen yon cœur qui plein assurance grâce à cet esprit. Ou joigne la paix. Ça, c'est l'homme mette confiance dans bon Dieu, oui. Ou joigne la paix. Ou joigne la sérénité devant épreuve, yo. Devant difficulté, yo. Devant être chargé, yo. Devant ténèbres, yo. Devant incompréhension, yo. Ou pas perdre du pied. Parce qu'on connaît, ou gagne un monde qui déjà prend devant pour vous. En pile fois, gagne en nous qui t'a toujours besoin, ouais, avant que nous croyons. Nous toujours attendons des miracles. Grand pile monde qui a marché des prophètes qui a besoin de miracles. Ils ont besoin. Ils ont besoin de miracles pour avancer. Eh bien, quittez-nous en bagaille. Jean 20, verset 29, qui ça dit? Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Donc, ou besoin de croire, sans qu'on pas besoin de croire. C'est ça la foi. Et nous disons la foi, c'est un don de Dieu. C'est un seul Saint-Esprit qui prend forme dans ce là qui naît d'en haut. La foi, elle est capable de fort, elle est capable de faible. Mais qui te dit que la foi est puissante. La foi est agissante par l'amour. Ça nous joue dans Galates 5, verset 6.
La foi est victorieuse du monde. La foi porte victoire sur le monde. Là. C'est nous jeunes dans 1 Jean 5, verset 4. C'est ça que fait. Ou même, qu'ap vive dans le monde, là, ou doit faire preuve d'intégrité. Non seulement de foi, mais on doit faire preuve d'intégrité. Et intégrité, a, qui c'est le troisième pilier dans le progrès. Là. Quand on a demandé qui est l'intégrité, pas vrai? On a demandé qui est l'intégrité, eh bien, intégrité a qui est mzou. Intégrité, c'est honnêteté. Intégrité, c'est loyauté. C'est l'on agit avec droiture. C'est l'on camper loin de toute forme de corruption, de toute forme de compromis. Parce que c'est bon Dieu qui a servi. Ce n'est pas les hommes. C'est ça que fait nous devons être fidèles à la parole. Oui, on doit être oui. Non, on doit être non. Ça va prêcher. Ça va dire. Ça va apprendre l'autre là. C'est libouillé. Ou pas qu'à prêcher la lumière et puis ou même pour faire noir. Ou pas qu'à prêcher la justice et puis plus gros et égoïste, c'est ou même plus gros méchant, c'est ou même. Ou pas capable de comporter en ton blanchi, non. Ça va prêcher à ses lipouillés. Nous voyons comment Jésus, c'est qu'on parlait avec pharisiens. C'est plus gros jour, on ne peut pas aussi nous pharisiens. Parce que ça, on a bail de yoa, ça, on a bail, ça, on a sous cola, c'est pas lui qui est dans le cœur, on est dans le corps rempli avec méchanceté, on est dans le corps rempli avec hypocrisie, on est dans le corps rempli avec jalousie, on est dans le corps rempli avec haine, avec rancune. Où sont-on blanchis? En tant que chrétien, en tant que petit bon Dieu, né de nouveau, en tant que élu, en tant que sacerdoce royal, font bannir toute forme d'hypocrisie dans le cœur. Et nous avons pile modèle de monde qui intègre. Nous avons pile modèle de monde qui intègre. Regardez Job. Job est tellement intègre. Job est tellement propre devant bon Dieu, en dedans comme au dehors. Job pat nan ou lem de bord. Li pat nan yon coup de l'eau chaud, yon coup de l'eau frette. Li pat mwen avon, laisse a bon. Et puis laisse a pas bon. M'pa avè ou. Eh bien, qui sa bon Dieu te fait? Bon Dieu te misé sous lui. Jodi a, fais un examen rapide de tête ou. Fais un examen en profondeur. Nan moment ça même m'a parlé à la. Fais un examen en profondeur. Et poser tête ou question ça. Est-ce que bon Dieu est capable de miser sur vous? Est-ce que bon Dieu est capable de miser sur moi? Même Jean te fait le boujob. Poser tête ou question et répondre question. Ça, c'est between ou même avec bon Dieu. Pas faire hypocrisie. Between ou même avec bon Dieu. Est-ce que bon Dieu a misé sur vous? Nous avons un modèle, et puis bel modèle que nous gagnons, puis bel modèle d'intégrité que nous gagnons, livrez les Jésus de Nazareth. Si vous voulez progresser, si vous voulez avancer, si vous voulez restaurer, quittez le regard fixé sur Jésus. Mettez-le en première place dans la vie. Responsabilité, responsabilité, c'est pour nous bailler l'évangile là. Et c'est pour l'évangile arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Et parole bon Dieu. Parole bon Dieu dit nous, faut que parole là li parler. Qu'on y a jodi a n'a mandé tête nous qui sorte d'exemple que nous y est. Qui sorte d'exemple que nous y est pour si là yo qui pas connent bon Dieu. Pour si là, vous avez cherché bon Dieu, qui sont d'exemple que nous y est en tant que et petit bon Dieu, en tant que croyant, en tant que chrétien. Qui sont d'exemple que nous y est pour l'autre croyant qui manque maturité spirituelle, que bon Dieu mette sous route nous.
qui sont d'exemple que nous y pour yo. Apôtre Paul t'a exhorté Timothée pour le vivre avec prudence. Appel que il te recevoir de Christ. Lors recevoir un appel de Christ, ou doit vivre appel ça avec prudence. Ou doit vivre avec l'amour, ou doit vivre avec la foi, ou doit vivre dans l'intégrité. Et même exhortation ça que Paul t'a fait Timothée, tel il fait nous là matin. Tel il fait nous dans moi ça. C'est pour vous lier jodi a. Et pour capable servir l'autre yo pour l'été fait Timothée et exhortation ça pour Timothée capable servir l'autre yo avec intégrité, pour c'est un exemple de foi constante et pour kembe yon bonne conscience. C'est pour nam nous, c'est pour nous capables pour que intégrité, pour nous capables intégrité ça, c'est pour un exemple pour nous-mêmes, quel que soit côté nous passer. C'est pour nous faire une priorité pour nous, pour tout le monde capable ouais l'amour grâce bon Dieu la donne, pour tout le monde capable ouais comment n'a progressé. Et c'est comme ça. Puisque nous avons joué l'amour, nous joué la foi, nous joué comment pour nous comporter, nous, pour nous capables de rester droit devant bon Dieu, pour bon Dieu capable de miser sur nous, n'a marché, n'a jambé, bon côté, dernier pilier, qui c'est discipline. Est-ce que ça qu'on arrive déjà que nous trouvons nous devant et yon cas côté bon Dieu ba yon moun en pile talent mais li gaspille yo parce que li pa gen discipline, li pa gen discipline assez pour le travail yo? En pile fois nous jwenn des croyants qui veulent arriver eux même sans que yo pa fè anken efòt. Yo vle rive, sans yo pa fè anken efòt. Et lorsque bon Dieu pa ou don, ça pa suffit. Ça pa suffit à don à yo même seul pour avancer. Non. Ou gen don, mais pour avancer, faut ou nourrir. Faut ou travay don sa yo que bon Dieu mette nan ou même nan. Faut ou exercer yo pour être capable vinn utile, pour être capable productif. Et en pile fois par manque de discipline, nous passons tout temps nous à ouais à veiller ça l'autre a fait au lieu nous développer propre talent par nous. Les ça qui s'accrivent nous jaloux de succès l'autre. Nous jaloux de progrès yo. Et des fois nous même on dit que c'est point yo prend. C'est point al prend kay diab. Les nous y a pas avancé, les nous y a fait progrès. Nous jaloux de avancement yo. Alors que nous même nous refuser faire effort. Effort qui nécessaire pour nous capable réussir. Pour nous capable avancer. Pour nous capable faire succès. Nous refuser faire effort. Qui t'aime dit au matin. L'effort spirituel, c'est un besoin constant pour nous. Nous besoin constamment pour faire effort. Nous besoin constamment pour l'arroser. Nous besoin constamment pour laver. Nous besoin constamment pour décortiquer. Et toute coupure dans l'effort spirituel, qui ça le fait, li mène yon coupure dans vie nan mou. C'est ça le fait. Bon Dieu vle nous totalement à lui-même. C'est ça que fait nous devons veiller sous tête nous pour nous capables rester dans sanctification. Il faut nous gen discipline.
Le nous pral travail, nous pas vle yo couper sous chèque nous si nous river en état, pas vrai? Qui ça nous fait? Amen. Nous discipliner tête nous. Si nous avons commencé travail à 6 heures, depuis 5 heures, nous quitter la caille nous. Nous plutôt al chita devant barrière travail là pour nous tendre les ou l'ouvrir au lieu de nous river en état. Et pour qui ça nous parle l'église? C'est là ça nous oui, m'te gen manger pour me faire, m'te gen 10 pour me faire, m'te gen date pour me faire et puis nous river des fois même gen là nous même qui connent river dans service là, les pral bay bénédiction finale, les faire prière finale ou bien les river dans fin et prédication. Nous pas gen discipline, puisque nous pas gen discipline, non mon pas capable grandir, non mon pas capable progresser. Parce qu'on prend bagay là, ou a toujours été quoi tu encore, parce qu'on prend à demi, ou prend à un quart. Et puis, qui sort dit, pour qu'à signer son fait, oui, pour signer et discipline ou, ou dit que ça, bon Dieu, compte tout bagay. L'on dit ça, son calot ou bagay, bon Dieu. C'est souffler, ton souffler, la parole de Dieu. Eh bien, frère Maxime, pour nous progresser, faut que nous fassions effort sous tête nous. Si vraiment nous sommes croyants, si vraiment nous sommes disciples Christ là, faut que nous soyons capables de discipliner la vie nous. Faut que nous soyons capables de mettre l'ordre dans la vie spirituelle nous. Faut que nous soyons capables de mettre l'ordre dans la relation nous avec bon Dieu. Faut que nous soyons capables de mettre l'ordre dans la relation nous avec frère nous, action nous. Jésus lui enseigner nous la discipline. Qui ça Jésus dit nous? Lui mandé nous pour nous renoncer à nous-mêmes, à tête nous. Et dans Matthieu 16, verset 24, nous joignons, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il se charge de sa croix. Suivre Jésus, c'est condition de base pour capable de progresser. Prends Jésus comme modèle ou c'est condition de base pour progresser. Si vous êtes disciple, faut accepter perdre vie inférieure là et pour passer à une vie supérieure. Matthieu 16 verset 25 dit nous, quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Yon croyant pour progresser, ou doit apprendre de façon active qui sa discipline nan yé. Le loi obéi et ou suivre exemple Jésus. Hébreux 5, verset 8. Bien qu'il fût le fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Si Jésus qui s'est petit bon Dieu et obéit, si Jésus qui s'est petit bon Dieu discipline la ville, et vous-même, pour qu'ils ne soient pas capables de faire. Jésus, c'était un disciple, il était disciple dans la prière, il était discipliné dans la prière. Il était discipliné dans la sensibilité à la voix de son Père. Oui, il était discipliné dans ce que bon Dieu t'a bali, dans ce que bon Dieu t'a qu'on a dit. Certainement, il y a un pile monde qui pas aimé discipline. Un pile monde pas aimé discipline, surtout dans ce qui a regard à la parole de Dieu. Dans ce qui a regard à la parole de Dieu, nous pas aimé discipline. Parce que pour qui ça? Parce que nous sommes pénibles, disciplinant douloureuse, li pas agréable. Mais qui t'aime dire? Qui t'aime dire aujourd'hui, ou 20 ans ou bien, grand pour t'en dire. Discipline, li accompagné de grandes récompenses. Discipline accompagné de grandes récompenses. Et moun qui accepte soumettre yo exercé ton bon Dieu ba yo joint en pile succès. Et succès, Yojouen, c'est le fruit paisible de la justice. La bonne décision
lorsque pour prendre une bonne décision dans la vie, lui demander, lui exiger même discipline. Parce que lui encourager nous pour nous mettre nous au travail, pour nous faire ça qui bien, même si c'est pas un choix qui facile. Si nous voulons marcher dans victoire, dans progrès, si nous voulons agréable dans Dieu bon Dieu, c'est jodi à même. C'est jodi à même pour nous pratiquer quatre piliers ça yo. L'amour, la foi, l'intégrité, la discipline, c'est jodi à même pour nous pratiquer dans la vie. Moment arrivé, oui, pour nous. Moment arrivé pour nous aller de l'avant. N'a piétiné trop sous plat. N'a joué trop, n'a rancé trop. Trop longtemps n'a rancé. Trop longtemps n'a joué avec bon Dieu. Trop longtemps c'est un coup de l'eau chaud, un coup de l'eau frette. Trop longtemps c'est les bagages là bon. Nous connons bon Dieu, les bagages là pas bon. Au côté côtoyé, pour qui c'est moins. C'est jeudi à même. Et moment arrivé pour nous faire un pas en avant. Et pour tout le monde capable que n'a fait progrès. Et progrès ça que n'a fait, pour tout le monde capable que chita sous quatre piliers ça yo, l'amour, la foi, l'intégrité, la discipline. Ou pas capable marcher là-dedans pour contre non? Pas penser que on va marcher là-dedans pour contre. Mais on va marcher là-dedans yo. Grâce à puissance là. Puissance que bon Dieu bail gratis là. À tout le monde qui l'a pour lui. Bon Dieu bail tout le monde qui l'a pour lui puissance ça. Il bail gratis. Et c'est grâce à puissance ça que on est capable de marcher dans l'amour, dans la foi, dans l'intégrité et dans la discipline. Et si nous voulons vraiment pour nous finir. Si nous voulons vraiment marcher dans la victoire, dans le progrès, soumets-toi, bon Dieu. Et Dieu nous fixera certaines exigences auxquelles nous devons obéir. La question ne sera alors pas de savoir si nous en avons envie. Non. Si on aimera le faire, non. Ou bien si cela nous arrangera, non. On le fera. On le fera. Parce que c'est ce qu'il faut faire. En tant que chrétien, en tant qu'ami de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à ton Seigneur.